Donc, on est sur la page d'accueil du site C'est chaud pour les Alpes. Et ce que je vous propose, en fait, c'est pour vous présenter cette démarche, en fait, qui est chaud pour les Alpes, puisque ça comprend plusieurs choses, c'est de faire une petite visite guidée de ce site. Alors, je ne vais pas vous montrer l'intégralité, parce que pour aujourd'hui, tout n'est pas forcément intéressant. Vous aurez le temps d'aller voir dessus après, vous-même. Mais ce que je voulais vous présenter, c'est en fait les outils qu'on a développés petit à petit dans le cadre de la démarche C'est chaud pour les Alpes. Alors, C'est chaud pour les Alpes, quand même pour expliquer d'où ça vient, c'est une démarche qui a été menée depuis 2012 par les membres du pôle Éducalp Climat. Donc, ils sont en gros une soixantaine de personnes qui sont regroupées au sein du pôle climat. Et ces personnes, elles sont issues de différentes structures. C'est bah, un petit peu comme les structures qu'il y a dans le réseau du GREC, finalement, sauf que là, on est sur l'échelle alpine, quoi. Donc, par exemple, bah, le CREC. Il y a pas mal de personnes qui sont ici, qui font partie du pôle climat aussi. Et on a une quinzaine de structures qui sont vraiment très actives au niveau du pôle, qui sont vraiment cœur de sujet sur la sensibilisation au changement climatique dans les Alpes. Voilà. Et donc, ce site, il est issu de ce travail-là. Donc, pour vous faire un petit historique, en fait, ce que je vais vous montrer surtout aujourd'hui, c'est la rubrique qui s'appelle Éduclim, parce que c'est là-dedans que vous allez trouver le plus de ben, voilà, tous les outils qu'on a mis à disposition. Et le premier par lequel on a commencé, c'est un outil que vous connaissez probablement qui s'appelle le dépliant poster, c'est chaud pour les Alpes. Donc ce petit dépliant poster, il a eu deux éditions. La première est sortie en 2014, la deuxième en 2018 et elle est actuellement quasiment épuisée. C'est un petit support qui est assez synthétique, c'est un format affiche quoi, qui fait à peu près 1 mètre sur 80 cm, sur lequel on aborde de manière ben, du coup synthétique une synthèse de connaissances sur tous les impacts du changement climatique dans les Alpes. Et le but, c'est voilà, c'était ça, c'était d'avoir un petit support qui soit assez compact, qui soit tout public, plutôt adulte, collège, lycée, mais accessible à tout le monde, et qui présente une synthèse des résultats scientifiques qu'il y a sur les impacts du changement climatique dans les Alpes. Donc, ce dépliant, il existe en format papier, et si vous avez l'occasion de le voir en format papier, je vous le conseille plutôt sous ce format-là, parce que vu qu'il est grand à l'écran, ce n'est pas génial, mais vous pouvez quand même le télécharger en PDF sur le site à l'endroit que je vous montre là. Donc, à partir de ce dépliant poster, en fait, pour l'accompagner, on a tout de suite mis en place des journées d'échange formation. Et ces journées d'échange formation, vous pouvez en retrouver un petit compte-rendu également dans la partie du CLIM sur les formations pour les pros. Et vous avez en fait pour chaque formation qui a eu lieu annuellement, un compte-rendu auquel vous pouvez accéder. Alors la formation de cette année, il n'y a pas encore le compte-rendu parce qu'on l'a fini il n'y a pas très longtemps et donc je n'ai pas eu le temps de le mettre en ligne, mais il sera bientôt, c'était dans les Alpes du Sud. Et à chaque fois, il y a un petit, voilà, vous avez un petit retour sur ce qui a été fait pendant la formation, le programme, etc. Parfois des petits outils qui sont montrés, enfin les résultats de ce qu'on a fait. Ces journées, en fait, c'est des journées qu'on monte en partenariat avec des structures territoriales, donc soit des espaces protégés, ça peut être aussi des communautés de communes, par exemple, qui ont une activité sur la sensibilisation au changement climatique. Et l'objectif, à chaque fois, c'est de former un réseau de professionnels locaux. Souvent, dans le public qu'on a sur ces journées de formation, on tourne autour d'une vingtaine, 20, 25 participants. C'est souvent des accompagnateurs en montagne, des personnels des espaces protégés, donc gardes moniteurs ou des animateurs, pas mal de gens qui viennent d'associations d'éducation à l'environnement. Il peut y avoir aussi des hébergeurs qui ont voilà, des gîtes, qui sont gardiens de refuge, ou bien des gens qui ont plutôt un profil technique, par exemple des techniciens ONF, des techniciens de la DDT, etc. Et le but à chaque fois, c'est d'avoir à la fois un apport de connaissances sur le changement climatique dans les Alpes et surtout un apport d'outils, de pédagogie sur le sujet, en leur faisant vivre vraiment sur le terrain. C'est des formations qui se font essentiellement sur le terrain, en montagne, autour d'une randonnée. Plusieurs outils d'animation qui peuvent être mobilisés quand on veut parler de ce sujet-là, en montagne, avec son public. Et donc, au fur et à mesure qu'on a développé ces formations, on les a démarrées en 2013. Et on en fait une par an à chaque fois dans un massif différent dans les Alpes, toujours en partenariat. Et à chaque fois, ben, en fait, pour ces formations, on développe des outils. Donc, on a développé progressivement des petits outils d'animation, puisqu'on était parti du constat qu'en fait, pour animer sur le changement climatique en montagne, il n'y avait pas grand-chose. Et du coup, ça m'amène à la troisième chose que je voulais vous montrer, qui sont les outils d'animation qu'on a développés pour ces formations. Donc, tous les outils qu'on utilise dans ces formations, une fois qu'ils ont été testés et qu'ils sont validés, on les met en ligne sur le site.
Et donc sur le site, vous avez accès à chaque fois à une petite fiche outil. Donc c'est une petite fiche qui est assez synthétique, qui fait entre une et quatre, cinq pages selon les sujets, et où on vous présente les contextes d'utilisation, à quoi peut servir cet outil, le déroulé, quelques exemples d'utilisation, enfin, de valorisation, etc. Voilà. Et donc, Maud m'avait proposé de vous parler juste vite fait de quelques outils, un peu nos outils chouchous, on va dire. Donc, ces outils, en fait, je précise quand même qu'on n'a rien inventé dans ces outils-là. Enfin, vous voyez quelque chose qui s'appelle le photolangage du climat. Bon, ben voilà, c'est un photolangage, il y a un porteur d'émotions. Enfin, voilà, c'est des outils, je pense, que vous connaissez bien au niveau de l'éducation à l'environnement, puisqu'on c'est des outils qui sont vraiment inspirés soit l'éducation à l'environnement, soit de l'éducation populaire, qui sont à la croisée entre les deux. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a formalisés et on les a adaptés à notre thème du changement climatique dans les Alpes. C'est vraiment ça notre idée, qu'ils soient vraiment utilisables sur le terrain avec un public sur le changement climatique en montagne. Et donc, parmi ces outils, moi, je vous en présente trois que j'aime beaucoup. Le premier, c'est les objets symboliques du climat. Donc, ça, c'est un objet langage. Et c'est un outil qu'on utilise toujours en début de formation. Enfin, je pense que vous connaissez le principe. On demande aux personnes, avant la formation, d'amener un objet qui, pour elles, est en lien avec le changement climatique. Et c'est ce qui nous permet d'introduire nos sessions. Et ce qui est vraiment intéressant dans cet outil, si vous ne l'avez jamais pratiqué, c'est que ça permet d'entrer sur cette question-là par l'angle du vécu et de l'expérience personnelle. Enfin, voilà, vraiment le lien que chacun entretient avec ce sujet-là. Et c'est pas du tout, enfin voilà, c'est pas un outil qui ouvre à débat, interaction, etc. C'est juste on accueille ce que la personne me dit sur ce sujet-là. Et ça marche toujours très bien. Donc, je vous encourage vivement à le pratiquer, parce qu'il ne demande rien comme matériel et qu'il est toujours très riche. Et je vous encourage également à collecter les retours qui sont issus de cet outil parce qu'ils sont vraiment super intéressants. Et c'est autant de témoignages en fait du lien qu'entretiennent les personnes avec qui on travaille sur le changement climatique. Le deuxième outil chouchou que je vous présente, c'est le suivant. En fait, c'est celui qui s'appelle le porteur d'émotions. Vous avez une petite photo là. Porteur d'émotions, c'est un outil qui est vraiment tout simple aussi. C'est un tableau, en fait, un grand tableau sur lequel on a mis tout un tas d'émotions. Alors au départ, on utilisait une version qui avait été travaillée par l'Université de Lyon dans le cadre d'une consultation citoyenne qui avait été faite sur Lyon en 2015 et qui s'appelait « Ma ville, le climat et moi », si je me rappelle bien. Et en fait, on a un petit peu, on a réutilisé leur outil qu'on trouvait intéressant, on l'a un petit peu détourné, nous, sur notre question du changement climatique. Et en fait, on l'utilise en groupe pour voir un petit peu dans quel état émotionnel se situe le groupe par rapport à ce sujet-là. Et on l'a fait évoluer assez récemment, enfin justement après une formation, c'était la première fois qu'on avait cette remarque-là, où les participants nous ont dit « mais en fait, sur votre tableau, il y a plus d'émotions négatives que positives ». Et en fait, on ne l'avait jamais remarqué. On n'avait jamais fait attention que les émotions qui étaient, c'était les émotions qu'on entendait le plus souvent sur le changement climatique. Et effectivement, elles étaient plutôt dans l'ensemble très négatives. On va dire qu'il y avait une proportion, 20% de positives et 80% de négatives. Vous avez dit, du coup, il y a un biais dans votre outil. Alors, on a cherché à savoir comment il avait été conçu. C'est des chercheurs en psychologie sociale qui l'ont fait, cet outil. Et en fait, il l'avait pas vraiment pensé dans ce sens-là, en termes de représentation des émotions. Il l'avait simplement pensé en termes de les émotions qu'on entend le plus souvent. Donc, en fait, nous, on en a fait une version rééquilibrée où on a essayé de mettre un équilibre sur tout le panel d'émotions et puis en avoir à peu près autant de positives que de négatives, ce qui permet d'enlever un certain biais. Et pareil, c'est un outil qui marche très bien. Alors, la version qui est actuellement en ligne, il faut que je la modifie parce qu'on l'a testé juste cet automne, la nouvelle version rééquilibrée. Donc, attendez un petit peu avant de télécharger pour avoir la toute dernière version équilibrée qui a été testée et éprouvée pendant la formation d'octobre. Et peut-être que c'est un petit... Je ne sais pas, moi, s'il y en a encore 2 minutes... Allez, on se donne. J'ai envie d'entendre ton dernier outil chouchou. Allez, je vous donne le dernier chouchou. Mais il y en a plein d'autres. Hein, mais vous irez parcourir puis vous verrez bien ce qui vous parle. Je vous présente pas les jeux qui sont très, porteurs d'émotions, jeux de la ficelle. Je pense que vous connaissez. Vous irez voir par vous-même ce que ça donne. Nous, il y a un outil qu'on aime beaucoup utiliser aussi. C'est un outil qu'on a développé à partir du paysage de montagne. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le dépit en poster. Quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a un grand paysage de montagne. C'est celui qui est derrière moi. Là. Vous ne voyez pas grand-chose, mais vous irez voir sur le dépit en poster. Et en fait, cet outil-là, on l'utilise en support
Quand on fait des ateliers de lecture de paysage, où on essaye de repérer un petit peu les impacts du changement climatique qu'on peut voir sur le terrain. Et ce qui est intéressant quand on fait ces ateliers de lecture de paysage, c'est d'essayer de faire une progression historique, entre guillemets, en s'intéressant déjà aux paysages du passé. Alors ça peut se faire en allant chercher, par exemple, je sais pas, des vieilles cartes postales, des vieilles photos, qui montrent un petit peu comment le paysage était perçu au début du siècle. Ça, on trouve pas mal d'archives là-dessus. De voir un petit peu ce qui a évolué, ce qu'on voit surtout, c'est à travers les cartes postales, c'est la manière dont le paysage était vendu et ce pourquoi on le vendait. Et c'est assez marrant parce que, notamment dans les Alpes, par rapport au tourisme, tourisme de neige, etc., on trouve beaucoup de choses là-dessus, avec des visions qui ne sont plus du tout en adéquation maintenant, et c'est marrant de voir un petit peu cette évolution. Donc on peut commencer par une séquence sur le passé, faire une séquence sur est-ce qu'on repère des impacts du changement climatique sur le paysage ou des choses qui peuvent nous y faire penser. Et à ce moment-là, l'outil paysage qu'on utilise peut servir de support à la discussion pour essayer de regrouper un petit peu tout ça par thématique. Ce qu'on aime beaucoup faire après, c'est surtout une séquence sur le futur où en gros, on invite les participants à se mettre en petits groupes et à essayer d'imaginer en 2100 le paysage, mais sous un angle particulier. En fait, on va leur distribuer des enveloppes de mission où ils vont devoir imaginer le paysage sous l'angle des habitants en 2100, le paysage sous l'angle de l'eau, la ressource en eau en 2100, sous l'angle du tourisme hivernal en 2100, etc. Et ensuite, on donne. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans le domaine de l'imaginaire parce que c'est plus simple. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est plus sympa quand on laisse libre cours à l'imagination, qu'on a le droit de délirer un petit peu plutôt que quand on essaye de rester sur quelque chose de réaliste. En fait, si on reste sur le réaliste, souvent, c'est pas très drôle. Alors que sur l'imaginaire, quand les gens se lâchent un peu, ça donne des choses assez intéressantes et qui aide malgré tout à comprendre aussi comment le climat agit sur différentes composantes de notre paysage, ce que ça peut donner si on pousse les choses à l'extrême. Et ça aide beaucoup à comprendre un petit peu ça. Voilà. Donc, c'est vachement intéressant. Et voilà. Tu m'arrêtes là parce qu'en fait, on les aime tous. Merci, Cathy. Super pour ces éléments. Voilà. Et donc, très complet. Oui. Pour finir, je vous montre deux autres petites choses. Donc, il y a quelques outils qui sont récapitulés aussi, qui sont issus de ce que font les autres organismes sur le changement climatique. Des choses que nous, on n'a pas fait, mais qui sont développées par d'autres. Donc, ce n'est pas exhaustif, mais vous en avez quand même quelques-uns. Et je vous indique aussi, parce que ça peut vous intéresser, la Climathèque. Donc, sur la Climathèque, en fait, on met en ligne des ressources qui peuvent être de différents types. Enfin, c'est aussi bien des sites que des articles, que des petits supports vidéo, que des jeux, etc. Ben voilà, quand on trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment intéressant et qui peut aider dans l'animation, on le met en ligne sur cette Climathèque et vous pouvez chercher en fonction de la thématique, du type de support, etc. Il faut que je fasse une grosse mise à jour de la Climathèque là sur l'automne parce que ça a été dense et qu'on n'a pas eu le temps de mettre les dernières ressources, mais certains nombres qui sont à disposition et que vous pouvez aller consulter. Voilà. Merci, bravo pour ce site parce qu'il est, impressionnant de ressources, d'idées, d'actualités. D'ailleurs, c'est souligné, j'ai vu quelques mots pour indiquer que les outils avaient été aussi testés et appréciés. Est-ce qu'on peut prendre juste peut-être une question? Et puis pareil, comme les autres, là-dessus, je vais t'inviter à répondre éventuellement sur le pad aux questions en ligne. En tout cas, voilà, bravo pour ce travail parce que c'est très complet et je pense que c'est utile pour plein de gens, ce genre de site. Et c'est un sacré travail à mettre ça en œuvre. Est-ce que Benoît, tu veux te faire le porteur de parole d'une question? Alors, je vais prendre la première question. Animez-vous également des formations pour des acteurs animateurs nature en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple en Alsace? Super intéressé par votre démarche, j'ai testé votre jeu de la ficelle. Donc, une invitation, une collaboration interrégionale pour former d'autres animateurs nature. Ah non, pour le moment, notre domaine d'action, c'est vraiment les Alpes. Après, on a eu fait de... Ça nous est arrivé de faire quand même de l'échange de compétences avec d'autres régions, notamment les Pyrénées. Mais voilà, on n'a pas trop la capacité à aller intervenir de partout, mais on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Avec d'autres territoires de montagne, donc vous êtes déjà arrivé à collaborer pour. Mais il n'y a pas d'autres sites équivalents pour d'autres territoires de montagne en France? Il y a d'autres démarches. Après, il n'y a pas exactement la même, mais oui,
Bien sûr. Ok. Après, chaque... voilà, ça pourrait s'imaginer. Après, chaque, enfin, il y a des, on voit des projets intéressants émerger un peu de partout. Donc. Ok. Voilà. Et juste, un petit truc parce que je pense que ça peut intéresser certains. On anime une veille climatique, sur les impacts du changement climatique et la sensibilisation dans les Alpes. Donc, c'est spécialisé sur la montagne, mais il y a quand même assez souvent des ressources qui peuvent être intéressantes pour d'autres zones. Et donc, si vous voulez vous inscrire sur cette veille par mail, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous dire. Il n'y a pas de souci, c'est ouvert à tout le monde. Donc, c'est une liste mail, c'est ça ? Une liste mail, voilà. J'ai mis dans le pad Les mails pour nous contacter. Okay. Merci.